Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de me mettre au sport, et pas n'importe quel sport, la course à pied, le running comme ils disent. Près de 6 millions de Français le pratiquent. Pour ça, il faut un short, un t-shirt, on a à peu près tout ça. En revanche, il faut des chaussures. Et pour s'y retrouver, c'est pas simple, vous allez voir. On se rhabille et on fait les magasins, c'est parti. Pour trouver chaussures de sport à notre pied, nous avons sorti les grands moyens. Nous nous sommes rendus dans 4 enseignes très différentes. Une grande surface spécialisée dans le sport, un magasin de spécialistes, une boutique de mode qui vend des chaussures de sport, enfin une enseigne sportive haut de gamme. Et pour vérifier ce qu'ils vont nous proposer, nous avons demandé son avis à Jérôme Moreau, un podologue du sport. Pour ce spécialiste, aucun doute, on ne peut pas se mettre à courir avec n'importe quoi au pied. Alors malheureusement, si je vous laisse courir avec ça, je faillis à mon métier parce que je risque de vous entraîner des gros problèmes. Quoi qu'il arrive, il faudra une chaussure de sport et une chaussure de course à pied. En fonction de la quantité d'activité que l'on va pratiquer, il faudra adapter cette chaussure-là, mais il faudra obligatoirement une chaussure de running si on veut aller courir. Le problème, c'est qu'en matière de chaussures de running, on a l'embarras du choix. Bonjour. J'ai besoin de conseils sur les chaussures de running, s'il vous plaît. Alors, je sais pas du tout quoi acheter. Il y a tellement de paires, je suis un peu perdu. Bah, ça dépend en fait de vous, de votre pratique. Bah, c'est débutant. Je vais m'y mettre. Dans chaque boutique, on a gardé le même critère. On veut se mettre à la course et on cherche donc de bonnes chaussures pour débuter. Ok. Vous courez combien de fois par semaine? Je vais courir deux fois. Deux fois? Voilà. Ok. Quel poids? 70 kilos. Vous comptez courir combien de fois par semaine? Deux, ouais, au moins deux fois. Ouais. Et pour choisir ses chaussures, il y a trois critères mis en avant par les vendeurs. Le premier, la technologie. En gros, cela concerne le confort et le système d'amorti de vos chaussures. Et là, problème, car chaque marque a développé sa propre technique. Et ça, le gel, c'est du gel, c'est un truc spécial qu'ils mettent dans la semelle pour amortir. C'est pas dans la semelle, c'est en dessous des semelles, en fait, c'est pour absorber votre choc. Parce que là, il y a carrément un trou entre le... Ouais, c'est le système de la plaque. Ah, il y a deux plaques. Ouais. Et ça, ça va être l'amorti de cette chaussure, j'ai l'impression. Ah ouais. Ah ouais. Là, ça rebondit plus. Alors, mousse, plaque ou gel, comment choisir? Rassurez-vous, pour notre podologue, ça lui est un peu égal. Chacun va trouver un confort différent. Mais en termes d'absorption et de tests biomécaniques, on retrouve à peu près la même qualité sur chacun de ces systèmes d'amorti. Donc ça se voit. Ça se voit. Clairement, ça se voit. Deuxième critère mis en avant par les vendeurs, notre façon de courir. Dans cette boutique, à peine le temps de regarder les modèles qu'on nous fait essayer des chaussures et c'est parti pour une petite démo dans la rue. Donc là, vous m'avez dit quoi? Une bosse de pied universelle. Parce qu'en fait, il y a universelle et après... Supinateur et supinateur. Qui n'aime pas l'extérieur et le pied qui rentre. Selon que vous soyez universel, pronateur ou supinateur, en gros, selon la façon dont vous posez le pied par terre quand vous courez, vous ne devrez pas acheter les mêmes modèles. Enfin, en théorie, car là encore, notre podologue a des réserves. La sagesse veut de prendre des chaussures universelles, sans compensation. Voilà. Donc même si on a des tests et s'il y a une correction à faire, il faut aller voir un professionnel, un podologue du sport, qui va vous faire une étude statique, une étude dynamique et qui va prendre en charge votre défaut. S'il n'y a pas de défaut, la chaussure universelle vous ira très bien. S'il y a un défaut, il faut qu'il soit compensé par un professionnel. Dernier critère et non des moindres, le prix. Car en matière de chaussures de running, on trouve de tout. Comme ce modèle, premier prix à 25 euros dans cette grande enseigne. Alors j'ai vu qu'il y a ce modèle à 25 euros, mais ça c'est... Ils me disent quoi? Ouais, mais une fois par semaine en fait. Voilà. Ouais. 30 minutes, pas plus. Si vous courez 35 minutes, ça va pas. Et oui, faut pas rêver, à 25 euros, vous ne pouvez courir qu'une fois par semaine. Alors plus les chaussures sont chères, plus vous pouvez les utiliser souvent? Ben pas forcément. La preuve avec ce modèle à 160 euros exposé dans cette boutique branchée. Pas quoi, 5 km avec. Ah ouais. Pour le maintien, c'est... 160 euros pour faire 5 km, ça fait cher le kilomètre. Mais pour vendre, tous les arguments sont bons. Ce qui se rapproche le plus du pied d'un Kenyan, voilà. C'est ça le truc. C'est ça leur but en fait. C'est vrai? Ouais. C'est pris là, voilà, au niveau de la cyclose. Un Kenyan, il faut pas. Ah si, avec ce pied, ils ont un pied super souple, le mec. Ah ouais, faut pas déconner. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quel est le juste prix pour des chaussures de running? Nous, on a fait confiance aux vendeurs. Si vous êtes prêt à mettre 200 euros, il n'y a aucun souci, on va sur une petite fatigue totalement adaptée pour vous. C'est-à-dire? Vous pouvez courir autant de fois que vous voulez, sur n'importe quelle durée. 200 euros, c'est beaucoup, mais visiblement, pour être bien équipé, il faut mettre le prix. Ah, 120 euros, vous avez une bonne paire de chaussures, une chaussure technique. Bon, après, il y a un petit peu en dessous, mais nous, on n'a pas... Parce que voilà, on est un magasin technique. Mmh. Après, dans la grande distribution, il y a. C'est moins bien.
c'est moins bien. Bah oui, clairement, vous avez des chaussures chez à 60, 70, 80 euros, mais il n'y a pas de l'amorti sur toute la chaussure. Il y a vraiment une différence, quoi. Ouais, ouais, il y a une grosse différence, bah oui. On lui a quand même désobéi et on s'est rendu en grande distribution pour acheter un modèle en solde à moins de 45 euros. Voilà, c'est une bonne paire, on la recommande pour des personnes qui courent deux fois par semaine, 45 minutes, une heure. Donc, si ça rentre dans vos critères. Deux paires très différentes, l'une 4 fois plus chère que l'autre. Alors, il en dit quoi, notre podologue ? Si on a un modèle à 45 euros et qu'on va faire son petit footing de 30-40 minutes le dimanche matin ou qu'on veut se mettre à courir, qu'on est débutant en course à pied, un modèle comme ça suffira amplement. Par contre, on peut avoir beaucoup plus de problèmes avec une chaussure comme ça si on n'a pas l'habitude d'aller courir et qu'on va se mettre à courir une heure et demie. Et la chose sur laquelle il faut faire attention, c'est la raison de votre venue ici, c'est de ne pas se dire « je vais acheter le top du matériel » parce que forcément, on risque soit de ne pas en avoir l'utilité, soit, au contraire même, et c'est plus embêtant, de se blesser à cause de ce matériel qui n'est pas fait pour vous. Et oui, une chaussure trop technique peut favoriser les blessures. Allez, on est bien équipé maintenant, c'est le moment de les tester, les chaussures. Alors, à ma droite, nous avons les chaussures à 200 euros avec les plaques, et à ma gauche, la chaussure à moins de 45 euros, premier prix. On essaye, puis on revient tout de suite. Allez, on y va, suivez-moi.